Si tu cherches des shardcards pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V, mais vous vous y attendez vraiment pas. Enfin bref, on s'en fout littéralement. Petite message au passage, hein, je vous invite vraiment à aller checker ma chaîne secondaire si vous voulez me retrouver sur d'autres jeux et sur d'autres styles de vidéos que des vidéos d'information. Je vous invite vraiment à le faire, le lien est dans la description. Voilà, j'ai sorti une petite vidéo tout à l'heure sur Trackmania, assez sympatoche en facecam. Donc si vous voulez aller voir, c'est dans la description. Enfin bref, on va parler tout de suite d'un tout nouveau petit concept qui a été créé par Rockstar. Alors mini concept, je vais peut-être un petit peu trop loin, mais comme vous le savez, en ce moment, bon ça fait presque plus d'un mois que nous avons que des semaines de double RP, de double GTA dollar. La communauté s'était réellement enflammée suite à ces multiples annonces de GTA dollar et de double RP, se disant qu'il y aura forcément un gros DLC qui va arriver par la suite, sinon Rockstar ne ferait pas ça. Alors pas du tout, Rockstar a tout simplement décidé de réaliser des semaines de double RP, de double GTA dollar très souvent afin de mettre un peu plus d'action sur le multijoueur et pour qu'on puisse vraiment y aller pour pouvoir faire quelque chose, car ils savent très bien que la communauté est en train de s'ennuyer sur GTA Online, car il n'y a pas forcément des DLC qui sortent tout le temps, etc. Donc avec les activités, ça vous permet de refaire des activités, de gagner de l'argent et de l'RP tout en vous amusant. Alors il y a une autre particularité aussi à cela, c'est que Rockstar nous demande ce que nous voudrions comme activité en doublé GTA dollar et en RP, mais aussi en réduction sur certains véhicules. Je m'explique. Lors de la publication de leur article où ils annoncent le prochain événement, donc celui-ci avec le DLC, le Crimpay partie 1 et partie 2, avec de nombreuses réductions à l'intérieur, ils avaient répondu à la question d'une des personnes de la communauté, et à la fin de leur message ils avaient dit, si vous souhaitez avoir des réductions ou des activités RP doublées en GTA ou en RP, nous vous invitons à le stipifier en commentaire ou à nous envoyer un message par mail nous spécifiant ce que vous voulez qu'on double ou même les réductions que vous voulez avoir. Alors ça c'est une très bonne chose, c'est à dire que par exemple la semaine prochaine ou dans deux semaines vous voulez que ce soit les véhicules des braquages ou les braquages qui soient doublés, ben vous envoyez un petit mail à Rockstar et vous leur demandez que cela soit fait. Bien évidemment il y a énormément de personnes qui doivent le faire. Alors je pense que si à chaque fois je fais une petite vidéo pour regarder un peu ce que la communauté veut en RP et GTA doublé cette semaine, bon je pourrais envoyer le petit mail à Rockstar et montrer ce que vous voulez, comme ça ça appuiera un petit peu plus l'action en ce qui concerne cette semaine et comme ça la communauté sera entre guillemets écoutée. Je trouve ce concept assez original et assez sympatoche de la part de Rockstar. Nous savons très bien que Rockstar écoute énormément la communauté, surtout en ce qui concerne les DLC, mais là ce petit nouveau nous demandant ce que nous voulons en RP doublé et en GTA doublé, mais aussi principalement les réductions, je trouve ça vraiment sympatoche. Alors vous dans l'espace commentaire, vous allez tout simplement me dire ce que vous voulez comme réduction sur GTA Online et les activités que vous voudriez qu'ils soient doublées. Vous me spécifiez tout ça dans l'espace commentaire. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.